Velkommen til Svalbard. Alors précisément, on est à Nuolesund, quasiment 79 degrés nord, la communauté permanente la plus septentrionale, et ben c'est là que je fais mon terrain, donc je vous propose de faire un petit tour pour visiter. Allez, suivez-moi! Nuolesund était à l'origine un village minier. Bien que les vestiges du passé soient toujours présents de nos jours, c'est devenu une station scientifique où la science dure et froide prend tout son sens. On y étudie de la glaciologie à l'océanographie, en passant par la météorologie ou la biologie, mais c'est aussi ouvert au tourisme. C'est
C'est la société Kings Bay qui gère toute la logistique du village et ils prennent d'ailleurs bien soin de nous informer sur les risques locaux quand on arrive. On commence la visite par le port. Les petits bateaux rouges que vous voyez, les Polar Circle, sont ceux qu'on utilise pour aller sur la glace. Ici, vous avez la plage où on peut venir faire un bain de soleil ou se rafraîchir en barbotant, et une ancienne cabine que vous pouvez voir dans le prolongement de mon ombre. Là, vous avez un plan du village avec les différentes restrictions et les zones où on ne peut pas marcher. De nombreux instruments scientifiques peuvent être cachés sous la neige, mais aussi, quand la neige est partie, de nombreux oiseaux nichent dans la région. Il est donc impératif de rester sur les sentiers, à moins évidemment de travailler sur les sujets et de savoir où marcher. On a aussi notre pub, c'est ouvert tous les samedis soirs, on y va ? Comme pour chaque bâtiment, on se déchausse en rentrant. Sauf qu'ici, il n'y a pas de sas d'entrée, donc les chaussures restent dehors. Et quand le pub est ouvert, ça fait un charmant petit amoncellement de chaussures. Le magasin, ouvert deux fois par semaine pendant environ une heure après l'arrivée de l'avion. Il est aussi ouvert occasionnellement quand des bateaux de touristes sont de passage. On peut y acheter des biens d'hygiène, des boissons, des snacks, on peut même y acheter des souvenirs. Les repas nous étant fournis par Kings Bay, on n'y trouve pas vraiment de nourriture à proprement parler en dehors des snacks et du grignotage. Bureau de poste le plus septentrional du monde. Alors si techniquement ce bureau n'est plus en service, la poste fait toujours office ici et c'est Kings Bay qui gère le courrier. Il est donc possible d'envoyer une lettre avec le tampon de nous les sous dessus. On trouve évidemment un hommage au célèbre explorateur polaire norvégien Roald Amundsen, qui est d'ailleurs parti d'ici pour survoler le pôle Nord en ballon. Et voici le clou de la visite, la Sverdrup Station, qui est notre base de travail et accessoirement mon bureau pour la semaine. Et vous pouvez voir quelques motoneiges qui sont garées devant et qui servent aux scientifiques lorsqu'ils doivent partir travailler à l'intérieur des terres. Nous arrivons à la limite du village. Normalement, un petit panneau l'indique, mais au-delà de ce point, il faut être armé pour pouvoir se protéger des ours polaires. Ce tube sert à vérifier que le fusil est correctement préchargé. D'ici, vous pouvez voir le mât d'Amundsen, qui est le mât sur lequel le ballon était accroché juste avant qu'il parte pour le survol du pôle Nord en direction de l'Alaska. J'en profite pour faire un petit coup de pub pour la carte collaborative de Syllabus. Allez voir ce très chouette projet qu'elle a monté, c'est une carte avec des points d'intérêt de culture scientifique. J'ai d'ailleurs personnellement contribué en mettant ce fameux mât d'Amundsen avec le lien Wikipédia vers l'expédition. Et si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, je ne peux que vous encourager à aller la voir. Tous les liens sont évidemment dans la description. D'ici, on peut aussi apercevoir deux des Trekroners.
Svea et Nora. Aussi un chenil pour accueillir les toutous du personnel permanent ou des scientifiques qui décident de venir avec leur chien. Évidemment, dès qu'ils ont un moment, ils en profitent pour venir sortir leur chien et le balader dans le village, comme vous l'avez vu un petit peu plus tôt. Nous arrivons de nouveau à la limite du village, et ce coup-ci, vous pouvez voir le petit panneau qui indique qu'il faut être armé pour la protection contre les ours polaires, et de nouveau, vous pouvez voir le tube pour vérifier que l'arme est correctement préchargée. Et finalement, pour terminer cette visite, cette route va vers l'aéroport et vers le radiotélescope. Pour la personne qui avait voté « non, c'est pas de l'astro » sur mon sondage Twitter, c'est l'instant astronomie. Et puis pour les autres, ça va être l'explication à mon image mystère que je vous avais postée au mois de mai. Ce radiotélescope est la raison pour laquelle nous, les Sund, est une zone blanche radio. Il faut savoir qu'avant d'arriver, il est obligatoire de couper toute émission Bluetooth, Wi-Fi ou téléphone à 20 km à la ronde. Si un jour vous venez ici, pensez-y. De toute façon, vous n'aurez pas de réseau, donc c'est inutile d'allumer le téléphone. Ce télescope fait partie d'un réseau d'interférométrie à longue base, et en particulier, il sert à étudier la dérive des continents et le rebond post-glaciaire. On parle d'interférométrie à longue base parce que les différentes antennes ne sont pas géographiquement côte à côte, mais réparties sur la planète. En gros, il écoute des quasars lointains qu'on suppose immobiles de notre point de vue. Les variations de déphasage entre les signaux reçus ici et sur les autres stations dans le monde peuvent être corrélées aux déplacements relatifs des différentes antennes entre elles. Ces enregistrements doivent évidemment être extrêmement précis et vous comprenez donc l'importance de ne pas les perturber avec des signaux radio parasites. Et ce télescope sera bientôt remplacé par un nouveau plus performant que vous pouvez voir un petit peu plus loin. Bien que le climat soit très rude dans la région et qu'il fasse nuit près de 4 mois par an, la vie est surprenamment abondante au Svalbard. On trouve en vrac des renards, des morses, des phoques, des ours polaires et surtout des oiseaux. Beaucoup d'oiseaux. Sous l'eau aussi, on trouve pas mal de vie, entre le phytoplancton et le zooplancton, mais aussi beaucoup de poissons et des cétacés. D'ailleurs, nous, les Sund, tentent d'avoir l'impact le plus faible possible sur son environnement. Et si vous trouviez que le tri des déchets était compliqué en France, ici, c'est à un tout autre niveau. Je vous propose maintenant de revenir à Longyearbyen. C'est globalement beaucoup plus accessible pour le tourisme. Ceci dit, n'en déplaise aux platistes, il n'y a pas que l'Antarctique qui fasse l'objet d'un traité. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi au Svalbard, et c'est hautement réglementé. Avant de venir, renseignez-vous bien auprès du site du gouverneur sur les démarches à suivre et sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire.
Et de manière générale, évidemment, soyez respectueux des locaux. Je n'ai aucun doute que ça vous semblera évident, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, toute personne vivant sur place regorge d'anecdotes surprenantes voire hallucinantes. Pour des raisons de sécurité, liées aux ours polaires, tous les bâtiments sont ouverts, et bon nombre de locaux m'ont rapporté des histoires de touristes qui s'étaient posés dans le salon des habitants, voire même se servant d'une bière dans le frigo et s'installant devant la télé. Oui, oui. Le Svalbard, c'est très dépaysant et très relax, et apparemment à un tel point que certains en oublient que ça n'est pas un parc d'attractions et que des gens vivent vraiment là-bas. J'ai moi-même vu des touristes à Nuolesund se coller le nez aux fenêtres pour mieux voir ce qui se passait dans les bâtiments. Je suis à peu près certain que ça ne leur viendrait absolument pas à l'idée de faire ça à Paris ou à New York. Autre détail, il y a très peu de circulation évidemment, mais il y en a quand même un peu. Et il ne faut pas l'oublier si on veut éviter des problèmes, et puis aussi si on veut éviter de déranger les locaux. Comme partout au Svalbard, le passé minier est très présent à Longyearbyen et on peut même d'ailleurs visiter une ancienne mine, la mine 2. La ville regorge de mémoire et de manière générale, le traité du Svalbard rend automatiquement protégé tout ce qui est antérieur à 1945. Et toute dégradation est très sévèrement punie. Mais de nos jours, Longyearbyen se focalise plus sur son université et sur le tourisme. D'ailleurs, la ville n'a de cesse de nous rappeler qu'elle est la plus septentrionale du monde à 78 degrés nord. On y trouve même un cadran solaire à 24 heures pour le soleil de minuit. De nombreux tours et activités sont proposés et les paysages du Svalbard sont à couper le souffle. Il y a aussi un musée qui est vraiment sympa et que je ne peux que vous recommander, et évidemment l'incontournable Site Vault, la banque mondiale de graines, qui elle n'est pas visitable mais vous pouvez toujours aller admirer l'entrée. Après y être allé personnellement début avril, en mai et fin août début septembre, j'ai tendance à préférer le mois d'avril. Les paysages enneigés sont absolument magnifiques, et le soleil encore relativement bas illumine le ciel de magnifiques teintes rosées. Mais je dois bien reconnaître que la fin d'été offre aussi ses charmes. En revanche, la transition quand la neige commence à fondre rend les paysages plutôt tristes et limite grandement les activités faisables. Donc je vous conseillerais plutôt soit le début de printemps, soit la fin d'été. Voilà, je pense vous avoir donné un joli petit aperçu du Svalbard. J'aurais bien aimé vous faire visiter Barentsburg, la ville minière russe, et Pyramiden, l'ancienne ville minière soviétique. Malheureusement, pour diverses raisons, ça n'a pas pu se faire. Mais bon, qui sait, peut-être que j'y retournerai et je pourrai vous faire une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo hors-série vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en avez pensé avec les pouces et les commentaires. Et si vous en voulez plus, un épisode plus orienté sur le boulot que je fais dans l'Arctique pourrait bien venir d'ici quelques temps. Et comme toujours, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une bonne nuit.
Oh, c'est snow. It's already cold. But you are not yet in the water. Now the audience is coming with the boat. Yeah. Over there, you see. So -5 in the air, around zero in the water. Good. Can I film, yeah? Yes, I'll take pictures. I'm filming anyway. Or hopefully I'm filming. Wow! Wow! Congratulations! Congratulations! Wow! I'm impressed. I don't know how long I stayed in the water. It was very good. And with a full head in, yeah. How did it feel? I can't feel much anymore, actually. Yeah? Do you do the second run? Like they did in Longyearbyen, you know what you told? How's that? How's that? Wow, yes. So, it's a myth. It's not easier, isn't it? It's worse. Yeah, that's what I think. Oh, it's cold. You did fantastic. Polar scientist or not? Fantastic. Okay, I try to film also. Ooh. I'm actually not cold, except my feet. Yeah. There's probably something happening with the brain to erase but memories, I don't know. My feet, I have the feeling that I'm stepping on glass, shattered glass. Okay, yeah. It's the feet are extremely painful. I think the rocks didn't help. But otherwise, I'm not cold. Yeah. But I don't have feelings. At least I have a bench to put my back my. Comfy bench. What? It's a comfy bench. Yes.